Peter Mugisho. Donc là, on a quoi dire à la secrétaire? Docteur, pasteur Totoro Bashibaregine Pierre, amekuja na mke wake hapa. Tunakuwa na pasteur Kanyegere Kaliokanyi, tunakuwa na papa Barafumwa, tunakuwa na mheshimiwa na Bushosi, tunakuwa na mheshimiwa Chihemba, tunakuwa na mheshimiwa Luka Lufunya Idea, tunakuwa na mheshimiwa Lumvi, tunakuwa na mheshimiwa Chioge, tunakuwa na mheshimiwa Muchanga, tunakuwa na mheshimiwa Kaizano, tunakuwa na mheshimiwa Mufurume, tunakuwa na mheshimiwa Chilangulangu, tunakuwa na mheshimiwa Bagalane, tunakuwa na mheshimiwa Mufungizi Kasheke, tunakuwa na mheshimiwa Chinja Chubagana, tunakuwa na mheshimiwa Bugalama Lungula, tunakuwa na mheshimiwa Bernard Mamululi, tunakuwa na mheshimiwa Papa Nakura Pierre. Na hawa watu walikuwaka na mambo tonero wao ambaye anasikiza kwa mashauri na pato pe asona Mwami Kashema Filemo kwa wakati huu. Hawa ndio walianzishaka hii kikundi ya umoja ya maendeleo ya Wagwija. Hivi na wasiwe wako hapa karibu wasimame, tuwashangilie kwa makofi. Waheshimiwa msimame, ukija na mama naye asimame. De la 33e région militaire, messieurs les commandants de la police nationale congolaise, PNC Sud Kivu, messieurs les directeurs provinciaux de l'Agence nationale de renseignement Sud Kivu, Sa Majesté Mwami Nalwinja, Sa Majesté Mwami Degurini, Sa Majesté Mwami Nakaziba, les respectueux chefs de groupement, révérend Père Kiré de la paroisse catholique de Luinja, révérend pasteur, mesdames et messieurs, très chers invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous tenons avant tout à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour avoir rehaussé de votre présence ces présentes manifestations pour célébrer les 41 années de l'existence de notre organisation Code des Loups qui a été créée
à l'initiative des braves filles et fils de Luinja, qui avaient le souci majeur de regrouper tous les Bawinja et ainsi recevaient nos respectueuses et fraternelles salutations. Mesdames et messieurs, très chers invités, permettez-moi de vous présenter brièvement la Côte des Loups, la communauté de développement de Luinja. Elle a vu le jour à Bukavu dans la province du Sud-Kivu le 29 juillet 1978 sous la dénomination de Kopalu, comité des parents de Luinja, qui développa de prime abord les volets de mutualité pour l'entraide entre les membres. Elle deviendra plus tard, Kodelou Communauté de Mois de Luinja, une association sans but lucratif qui regroupe les filles et fils ressortissants de Luinja vivant en dehors et à Luinja. Elle poursuit comme objectif la promotion du développement de la chefferie de Luinja, priorisant l'éducation, la santé, l'eau potable, l'assainissement au développement, l'artisanat et l'agriculture. La promotion et la croissance économique par la création des institutions de microcrédit et des coopératives d'épargne et de crédit. La promotion des intérêts de la communauté à l'endroit des pouvoirs publics et des bailleurs des fonds publics et privés. Faciliter les activités de partenariat d'appui au développement en créant et en stimulant des synergies. La communauté de développement de Luinja, Kodelou, a pour ce faire toujours été considéré par la population de Luinja comme un des moyens les plus appropriés et forts d'exprimer ses vœux et ses inquiétudes sur les sujets divers lui concernant. Pour atteindre ses objectifs, la Kodelou collabore avec différents partenaires, notamment les autorités, collectivités de chefferie de Luinja, territoire de Mwenga et de la province du Sud Kivu. Les opérateurs économiques comme la société Kongiza Mining et les autres. La population locale vivant et œuvrant dans cette entité et partout ailleurs. Les autres acteurs de développement vivant dans les milliers. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous remercions vivement l'Éternel, notre Dieu, qui a fait que nous soyons nés enfants de Luinja et que nous arrivons à la date d'aujourd'hui, longtemps attendue, afin de commémorer cet anniversaire qui rappelle les grands événements dans la marche au développement de notre chefferie. Nous remercions les fondateurs de cette belle initiative qui se sont sacrifiés en mettant en place ces bons cadres de concertation et à qui, à ce jour, à titre posthume, nous n'oublierons pas Messieurs, Sa Majesté Mwami, Philemon Kachema, Chiyoge, Bahige Lufunya, Lumvi Kabofa, André Mufurume, Kaizano Muleba, Nabushosi Namululi et d'autres qui nous ont précédés dans les royaumes célestes. Que leurs âmes reposent en paix. Nous allons vous demander de vous lever une minute
afin que nous puissions se rappeler de ces braves fils et filles qui ont travaillé pour la côté. Mesdames et messieurs, distingués députés, Dieu a voulu que certains de ces leaders soient encore vivants et soient avec nous. Certainement, ils seront décorés aujourd'hui comme signe de reconnaissance et de respect pour tout ce qu'ils ont fait. Nous et la génération future ne les oublierons jamais. Nos sincères remerciements vont tout droit à l'équipe dirigeante actuelle et à tous les membres actifs de la Codelou. D'aucuns peuvent se poser la question de savoir quelles sont les réalisations de la Codelou depuis sa création. Que fait la Codelou? Avec votre autorisation, vous citez certaines grandes réalisations à titre de rappel. En tant que mutuelle aux membres en difficulté éprouvés, maladie et prisonniers. Pour faciliter au sein de la communauté, avec les dirigeants de la richefferie, un certain moment où il y avait des tensions, la Codelou est intervenue pour adoucir ces tensions. Contribuer à la rédaction du cahier des charges et protocole d'accord qui lie la société Bagro et la communauté de Louis. L'installation de la société Bagro et la prospection à la phase de développement ou d'exploitation, apprenez-vous à jouer un rôle non seulement dans l'installation de cette lumière à Louis, à l'organisation de cette lumière à Koutanfou et à Louis, dans le but de faire passer le message sur toutes les étapes, notamment la délocalisation, afin de permettre à la Corporation de commencer ses activités. Autre. Dernièrement, la Côte-Nord a mobilisé des fonds pour réaliser certains projets d'intérêt communautaire à Ouija, notamment des dons de 40 sacs de ciment pour appuyer la construction du bureau de la chefferie de Ouija, et des sambars de 12 pour appuyer la construction de la salle polyvalente de la paroisse catholique de Ouija à Ifekula. L'institution financière fiable pour appuyer les activités, Nous avons aussi appuyé dans les carénages de l'église de la 5e Selva, Sayuni Kibuti, Louisa. Nous avons aussi donné des dons de ciment à l'hôpital du Fendoula pour la construction de la clinique et payer les factures des malades et vulnérables qui étaient internés à cet hôpital. Jeunesse dans leurs activités sportives pour qu'ils puissent s'équiper à l'équipement sportif. Aussi, donner des bancs à l'église de la 5e Selva à Tchironguenda